Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015 pour un nouvel épisode de la Ferme du Nord saison 2. Et pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Benoît, salut à toi. Salut. De Baptiste. Salut. De Nico. Salut. Et de Télis. Salut. Ah, j'ai cru qu'il allait pas me répondre. Donc aujourd'hui les amis, au programme de pour ce dernier épisode, tout simplement on va aller vendre nos animaux, hein, tout ce qu'on a produit durant cette saison 2 de la Ferme du Nord. Donc on a pas mal de cochons, de veaux, tout ça, donc on va aller vendre tout ça. Oula, qu'est-ce qui fait Mumuse avec le New Land? C'est Benoît, ça j'en étais sûr. Ah bah depuis le temps que j'attends pour Curious Family. Juste voir ce qu'on a comme cochons et veaux, tu me l'as dit tout à l'heure Benoît. On avait... Ah on a 90... Oui, ah non, on en avait 90, on en avait combien à vendre déjà? Plutôt. Parce que là il nous en reste plus que 4 et 7 ils mettent à vendre, et des cochons on en a 147 à vendre, donc on a le temps pour vendre tout ça et on peut en emmener 40. Ah oui, donc c'est bien ce qui me semblait, on en avait 40 et 40, ouais il y en avait plus de 80, parce qu'il faut savoir que Nico aussi a rempli une bétaillère, donc oui il y avait plus de 80 veaux, donc effectivement il y en avait pas mal. Juste allumer les gyros, voilà, nickel. Ah Nico il m'attend. On aurait pu passer, ouais si on va passer par là. On aurait peut-être pu passer par là-bas. Tiens, on va passer par là-bas au pire pour changer. Parce que c'est là-bas. On peut rejoindre par là-bas. C'est très très clair. Par là-bas et par là-bas, c'est. Attends, comment je vais faire? Parce que alors ça c'est le genre de chose le plus facile à manœuvrer. Ce genre de bétaillère super longue. En vrai, je sais pas. Ouais, si en réalité ça doit exister des bétaillères longues, mais. Bah largement, oui. Aussi, bah ouais. C'est tellement chaud à manœuvrer. C'est long. Attends, je passe devant toi. On va le faire, t'inquiète. Parce qu'il n'y a pas de. Et là, mais c'est par là, ça va être plus court, tu vois. Ah, bah je vais faire comme toi. Hop. Et du coup, on est parti, on va aller vendre tout ça, donc on en a 40 chacun, donc ça, je sais pas combien ça rapporte, j'ai vu tout à l'heure. Je crois 132 euros le veau. Donc c'est pas mal, en sachant qu'on a tous les deux un veau 1000K. Ça passe sans problème. Et, le veau 1000K vaut 1000 euros de plus, donc. Ah bon? Donc, du coup. C'est vrai? Non, je sais pas. Ah non, c'est vrai, d'accord. Le team, ouais. Allez, on est parti. Le veau 1000K, c'est nous qui l'avons fait, on a acheté des veaux 1000K en fait. Ah ouais. Et du coup ça coûte un peu plus cher à faire vélo en fait. Donc, À faire vélo. Ah bah moi le vélo. Un Télis, le vélo c'est une histoire de famille. Voilà, c'est ça exactement. Dès que je me connecte sur Steam, il y a monsieur qui est sur son truc de vélo. Gros manager. Ah attention. Oh. Ah bah oui, ça arrive. Comment je What virage que j'ai What pris. What Là j'aime trop passer sous ces rochers, c'est trop beau. Télis, qu'est-ce que ça fait? Mais y'a rien fait moi. Ah oh, si. T'as dû faire quelque chose. Oh bah non. Sûrement pas. Et hop là, oui, qu'est-ce qu'il fait? Bah je sais pas, le tracteur il a boum. Voilà. Je suis trop bien pour ça. Fumier, en gros elle marche pas. Elle marche pas? Ah oui ouais, oui, tout à l'heure je mets du fumier, ça oui. Met rien. Ouais ouais, mais pareil la ferme aussi. Donc du coup limite ce qu'il faudrait faire c'est que Bat, si tu fais rien, t'emmènes un épandeur ou une benne. Bah, comment mais... J'étais déjà en train de curer mon fumier, elle est pas. Ah ouais? Ah bah nickel, bon bah ouais. Mais de quoi? Non, non, continue. Non, mais j'ai. Benoît, en fait, je curais les vaches en fait. Bon, oh, de toute façon, pour ce qui reste, il reste 4000. Bon. Ah! Ah, t'as vu, on avait emmené une benne pour faire des betteraves un jour. J'avais emmené cette benne là pour faire des betteraves. T'es dit, c'est arrête! Bon, là, tu fais une connerie, je sais pas où t'es, mais je sais que t'as fait une connerie. Mais du coup, donc on a l'épisode 10, j'avais dit qu'on ferait après l'épisode 10, donc. Je pense que ça va être quand même le dernier épisode, mais vu que la ND Newton n'est toujours pas sortie, je sais pas il trop. Est sorti, hein. Mais non, il y a une non, mais c'est pas la version de. Aujourd'hui, il y a une version que je trouvais pas la ouais, version. Mais c'est une version fuitée, juste reconvertie, ouais. Et pas terrible. Mm. Donc c'est pas ça qui, c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est celle de Frabel. Ouais, celle de Frabel. De Ditch et du coup, elle est toujours pas sortie. Parce même que tout simplement, il essaye de faire, ouais, il essaye de faire une bonne version de la map et ça prend pas mal de temps, donc. Donc, on va pas pouvoir faire de pouvoir faire d'épisode dessus. Donc, je sais pas trop si ça va être le dernier épisode ou pas. Vous verrez bien sur la chaîne parce que si du coup la merde. Si les merde c'est par là qu'il faut y tourner. Si les Newton ne sortent pas, soit on continuera sur cette map, soit on changera. Je sais qu'il y a d'autres maps qui sortent. Faut que je regarde, peut-être qu'il y aurait une map sympa. J'ai vu que il y avait des maps. Bon la Cantal on en entend pas mal parler mais. Il y a déjà pas mal de youtubeurs qui en font, donc
peut-être pas en faire non plus, mais je sais pas, il y a d'autres maps qui ont l'air d'être sympas, donc je vais essayer de regarder ça et pourquoi pas essayer de faire une nouvelle série sur multijoueur, mais de peu d'épisodes, parce que faut savoir que Farming 17 approche à grands pas. Donc, oh là là. Oh, mais ça va être facile de manœuvrer leur Marc. Oh, fais chier. What? Hey! Oula! Tu vas vouloir manœuvrer comment ici? Oh, c'est quoi ça? T'es pas un pilote? Ah bah. Je suis pas un pilote peut-être, mais c'est quoi cet abattoir? Comment ils veulent qu'on rentre ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, j'essaye de manœuvrer pour pouvoir reculer là, mais. Bah. Oh. J'aurais dû. Le mode d'emploi, c'est écrit dans le mode d'emploi, hein, faut regarder, hein. Ah non, mais moi là je vais te penser. Est-ce que tu peux pas essayer de me taper dans la bétaillère en reculant? Il arrive même pas à passer. Voilà. Non, mais une boîte à lettres là qui me gêne en fait. Limite, faut venir avec la bétaillère, une essieu, t'emmènes que 10 veaux à la fois quoi. Non, mais sérieusement. Ah bah, ou sinon, on demande à Télis de le faire, attends, puis voilà. Hein. Ça... Merde. Ouais, moi je fais pas le veau. Télis, arrête de faire ça. Donc voilà les amis, on est reparti, donc excusez-nous pour la petite ellipse pas prévue, simplement parce qu'on a eu un petit problème au niveau de la vidéo, j'ai touché à une touche qu'il fallait pas, et du coup ça a mute mon micro, et heureusement je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait une petite ellipse, donc du coup comme ça, ça a permis qu'on s'en rende compte assez rapidement, et qu'on continue pas la vidéo pendant 20 minutes. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a vendu les veaux, on a réussi à vendre les veaux là-bas, donc maintenant on va aller vendre les porcs tout simplement. Donc on a pu en charger, tu disais Nico, 50. 50 moi j'ai réussi. Ouais, 50 Benjamin. Donc mine de rien. 50 petits Benjamin. 50 gros et bien gras. Ça fait pas mal quand même. Du coup Baptiste nous suit avec son petit épandeur. Tu vas aller pendre du fumier du coup, t'as trouvé ouais. Un champ. Ouais, à côté. Ok, bon ça marche, pas de soucis. Et du coup bah, on est en plus on a de la chance parce qu'on est encadré par deux petits partenaires avec Benoît à l'avant et Benoît à l'arrière, donc c'est pas mal. Voilà. Benoît à l'arrière. Non mais ce que Télis s'appelle Benoît aussi, donc du coup c'est pour ça aussi. Pour ah ouais, ça reste bien compris. Non mais il y en a qui pourraient pas avoir compris. Du coup on va les vendre tout ça. Je sais pas si ça se vend plus cher. Non, ça, je crois que c'est 132 aussi. 132 euros pièce. Vas-y, je barre la route. Vas-y, barre la route parce que quand Nico il arrive, vaut mieux barrer la route, on sait jamais. Hop. Tout droit dans le camarade, il barre la route. Enfin, ça se voit que c'est le dernier épisode. J'ai le temps de filmer 2-3 petites vidéos bonus là, je sais pas, je vous les mettrai peut-être à la fin de la vidéo. Pendant le temps qu'on faisait l'ellipse. Donc vous allez voir, ils ont fait un peu les fous hein, pendant ce temps-là. Donc, les oiseaux. Les zinzins. J'essaierai de vous mettre ça pendant la vidéo, enfin après la vidéo à la fin. Hey, merde, la de toute façon c'était Benoît. Ouais, c'était Benoît. du coup, oui, escaladeur, on va vider, voilà, donc on vend tout ça. Et du coup, des cochons, si je me souviens pas, il en reste plus, enfin si je me souviens bien, il en reste plus normalement. Cochon. Ah si, il en reste plus. Il y avait 47. 200, je pense. Ouais, il y en avait 147. Donc oui, bah j'ai encore, bah je vais aller en vendre, ouais je vais peut-être aller en vendre une autre, et puis après faudrait les nourrir les cochons. Et ça coule ta charrette? Non, attends, je finis les ventes. Ok, c'est cool. Attends. Travailler un moyen pour passer, hein. Non, ça c'est une mauvaise idée. Par contre ils se vendent pas vite, hein, mais ils gueulent par contre les cochons, tu les entends faire. Ah, ils ont pas envie. Merci Benjamin pour cette pièce. Benjamin qui sait imiter les cochons. Tu les imiteras plus trop bien, Benjamin. Ah bah. Je suis pas le professionnel pour ça. Peut-être que Nico y arrive mieux parce que ça, c'est oh, pas. Oh non, je. T'en as pas le mode d'or, comme on dit. Essaye donc. Vas-y, attends. Attends, ça va le faire. Vas-y, accélère. Waouh. Du coup, ouais, j'ai le temps d'aller en vendre une autre. Qui c'est qui est en moi? Et c'est moi. C'est Benoît. Que tu tournais. Mais ça c'est sûr, j'avais une chance sur deux que ce soit Benoît, donc. Enfin, deux chances sur après deux. Après toi, Benoît. Merci Benoît. Du coup, on va aller vite faire en vendre une autre. Même si bon, on fait tout le temps la même chose peut-être pendant la vidéo. Juste après, ouais, on va aller vite faire nourrir les animaux. De toute façon, j'avais pas prévu de faire beaucoup d'autres choses. Je me suis dit que c'est vrai que vendre des animaux, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément souvent. C'est vrai que je l'ai même quasiment jamais fait sur FS15, donc c'est vrai que ça peut changer. Donc on va aller vendre encore une dernière charte. C'est vrai qu'il y a les gueules, hein. T'as vu? Gueule, c'est mal aux gros oreilles, hein. Ah, c'est gros. Ah oui. Se lance.
Heureusement, ils vont se faire couper la tête. Ils vont se faire couper la tête pour avoir gueulé. Pour avoir gueulé. Télis, tu veux pas essayer de venir vite fait? Ah, j'arrive. Allez! Ah, mince! Ça si, vas-y, roule cool. Attends. Je crois que ça passe encore. Ah non, ça passera pas. Ah si! Ah non! Ah, je suis à moitié dedans. Faut savoir que tout à l'heure il s'était amusé, enfin vous verrez à la fin de la vidéo, il s'était amusé à rentrer dans la bétaillère. Ouais, il est dedans. Merde, oh si ça passe. Vas-y, tu m'aides hein, à manœuvrer. Ah, je manœuvre. Je fais le copilote. Ça risque d'être compliqué. Attends, on va réussir à mettre deux. Deux. Et j'ai deux partenaires dans ma bétaillère. Il me pousse. Ah, mais bah c'est nickel. Ah, on est sorti. Faut ralentir à un moment donné, les gars. Du coup, t'es pendant quel champ, toi, Baptiste? 31. T'es dans le 31 là? Ah putain. Il est immense celui-là, non? Ouais. Putain. Hop. Va peut-être falloir reculer, Benoît. Sinon, moi je vais rester coincé. Attends, je vais juste enlever ça. Voilà. Tac, on va reculer là. Du coup, les gars, bon, on va parler vite fait. Farming 17, là, on a aujourd'hui à l'heure où on tourne, on a une petite photo de Dutz, un gros Dutz. Donc, enfin, je sais pas si vous en pensez, mais moi pour le moment, je trouve qu'ils nous ont dévoilé un petit peu trop de gros véhicules. Ouais, bah y'a que du gros, enfin, ouais. Pour le moment, je trouve pas massé et tout. Bah ouais. Bah, après, je pense qu'il y aura quand même des plus petits, genre il y aura toujours peut-être des Newland T4. Tu vas être ferme. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, vu que c'est une map du nord de l'Amérique, ils se sont dit ouais, on va mettre beaucoup de gros véhicules, mais c'est vrai que nous, les petits Français, on aimerait bien avoir des petits véhicules aussi. Les petits frousses et les petits Belges aussi. Ouais, les petits Belges aussi, hein, ouais. On les oublie pas ceux-là. Ah, inoubliable. Ah, bah, comment les oublier? Impossible. Ils ont tellement de bruit. Tu sais que ça bruit, hein. Ah bah des fois, pire que les cochons. Ouais, pire que les cochons, c'est ça. Alors, bah, vaut mieux être... Ouais, enfin ça va, c'est vrai. Ah merde, attends, il y en a encore ou pas? Parce que du coup j'ai avancé peut-être un peu trop tôt. Non, j'ai l'impression porte ton drapeau, plus. Voilà. Ah, il y en a 47. Ouais, il y en a plus. Bah tu vois, j'en ai chargé 46, mais il y en a plus. Donc, ouais. Pourquoi il y a ça, là? Ça marchera, du coup on va les vendre tous. Pourquoi il y a ça là? Qu'est-ce qu'il faut? Le va attaquer par des machins rouges. Par des taches rouges. Ah, mais faut pas le laisser conduire celui-là. Regardez-moi ce danger public, c'est un belge. Je tiens à le préciser quand même. Oh là. Allez. Bon, c'est le régulateur de vitesse ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, n'importe quoi. Bon, du coup, à fond, avance avec ton partenaire, je vais te rentrer dedans. Et c'est vrai qu'ils nous ont dévoilé quoi d'autre? Ah si, ils nous ont dévoilé des Steyr. Hein. Donc des Steyr, c'est vrai qu'on en avait déjà dans Farming 15, mais on en avait qu'un seul. Et là, du coup, on en aura peut-être plus. On en a deux, là. Et un plus puissant, un peu plus gros. Donc c'est vrai que ça pourrait être sympa. J'ai pas vu quand même rétro. Ah si, je viens de voir la partie. J'ai pas trop vu ce qu'ils ont fait. Mais... Parce que je t'ai vu en vue intérieure, mais. J'ose pas trop me mettre en vue. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait à pousser? Du coup, sinon, qu'est-ce qu'ils nous ont d'autres dévoilé? Ah bah si, il y aura des Fendt 700. Des Fendt Vario 700 comme celui-ci. Dans FS17. Et il y aura là aussi la série 900. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on pourra choisir les. La puissance moteur, ouais, et tout. Oh, c'est top ça. Mais en gros, on pourra choisir le modèle de la série quoi. Ouais, voilà, pareil. Même avec les Dutz, hein. Ouais, même avec les Dutz. T'as écrit Dutz série 9, du coup, c'est là que tu pourras choisir. Série 9, donc le modèle exact. Donc, ça, c'est vrai que c'est sympa ça qu'on puisse choisir, qu'ils mettent carrément une série. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'ils ont bien représenté le groupe APCO quoi, vu qu'ils ont eu la licence. Ago. Donc, du coup, il y aura Massey, bien évidemment, Event et Valtra Challenger. Voilà. Et Valtra, oui, Valtra aussi, très bien. Oui, c'est vrai qu'il y aura des Valtra aussi. C'est vrai qu'on va être quand même gâtés au niveau marque. Pas de problème. Ça va, tu t'en sors, Nico? Vraiment pas trop dur, les mecs. Elles ont fait une vengeance, les deux camionnettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, elles font une vengeance. Ah oui, ils t'en serré. Ah, je suis dedans. Il y aura vraiment un mot qu'on n'avait pas l'habitude de voir quand même. Valtra, c'est vrai que c'est une marque qui était pas trop répandue. Il y a une personne dedans. Bah, même Challenger, c'est. Ouais, même Challenger, ouais, c'est vrai que. Oh, sorti. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est du gros matos, quoi. C'est pas, ouais, pour le moment, pas ouais. Pour rigoler, quoi. On a des très très gros modèles. Mais je pense que dans le trailer, on avait vu un petit Fendt, hein. Non? Ouais, oui, un petit Newland. Ouais, des ouais, Fendt avait... série 500 là ou 300. Non, 300, je crois. Ouais, 300, ouais. C'est vrai que ils nous ont pas encore tout dévoilé, hein. Ça va venir petit à petit. Non, c'est vrai, ils mettaient Coming Soon, donc la prochaine. Et sur leur site, ils mettent les véhicules là, ils commencent à les mettre petit à petit.
Et pour si vous voulez avoir des infos, en fait, les infos sortent le lundi. Non, le vendredi. Oui, mais le lundi, jeudi et le vendredi sur leur site, ah ouais. Là, ils rajoutent les véhicules. Mais sinon, ouais. Tu sais, ils mettent des infos. Lundi, jeudi, c'est sur la page des infos. Dev blog. Ouais, sur, oui, sur, les infos, c'est juste qu'ils republient ce que Farming 15 a mis, en fait. C'est tout. Oh, je vais bouffer gaffe ça. Parce que Farming Simulator met. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir les faire? Parce que j'ai fini de vendre ça, mais on va retourner à la ferme. Les cochons, ils sont tous mourus ou quoi? Parce que, qu'est-ce qu'on leur a mis? Ah, bah, ils ont plus rien aux cochons. Il va falloir leur amener 2-3 petites choses à grignoter. si on veut vendre la ferme. Des petits biscuits, une verre de lait. Voilà. Si on veut vendre la ferme à un bon prix, il faut quand même qu'on les tienne en vie, nos cochons. Ça le bête. Ouais. On va les bouffer. Cochon à la broche. Ah bah, là. Hop. J'entends les trucs qui arrivent partout. C'est géant. N'empêche que tout à l'heure, quand j'ai regardé la vidéo, c'était bien drôle parce que vous entendez parler, mais moi on m'entendait pas parler. Du coup, ça faisait des gros blancs des fois. C'est drôle. Oula, qu'est-ce qu'ils font dans les vaches? Ils slalom entre les vaches. Okay. Qu'est-ce qu'il fait lui hein? Ça, c'est Benoît ça. Oh! Ça, c'est pas Benoît. Ah, ça, c'est le dernier épisode, les amis. Hein. Ça, c'est le, ouais. C'est le dernier. Enfin, c'est même pas sûr du coup, on verra bien. On verra bien si on continue ou pas la série. En tout cas, le pire c'était la fin de N5 Bright, mais de N5 Birch, ouais, c'est ça. Ouais, c'était vrai que c'était le pire. Oh purée! Je crois que t'as 2 FPS même pas. Ah, mais la pré-vidéo, il s'arrêtait tout seul, il était mythique la pré-vidéo. Wow. Oh! Ah, Télis, oh. RIP, Télis. Oh. Conducteur de Peugeot, RIP. Oh merde. Du coup, nos bétaillers. Oh là là. On va laisser ça en vrac là. Que les bétailleurs, c'est vrai que c'est chiant à garer. Puis, Tu m'étonnes. Ou alors tu les vends. Ouais, bah oui, carrément, on va les vendre. Pour ça plus tard. C'est quelque chose qu'on sert une fois sur deux. T'as fait la main aussi alors, si tu veux. Ouais, ouais, bah des telles là, je vais la vendre. Ou alors je le fais si tu veux. Ouais, attends, je la vends. Vendre. Attends. Ah non, mais des telles là. Ouais, vas-y, tiens. Nickel. Hop, comme ça, ça s'est vendu. Le Fendt, on va peut-être lui passer un petit coup de karcher. Ils sont dégueulasses, nos véhicules. Heureusement, Baptiste à l'heure a nettoyé, mais que son Mulan par contre. Hein. Ça, ouais. On voit bien le gars un petit peu égoïste. Ouais, tu m'étonnes. Moi j'ai toujours dit. Ah là là. Faut encore avec Karcher tout le temps non plus. Ah bah si, bête. On t'a embauché pour ça. Coupe Karcher sur le partenaire aussi. Karcheraman. Hop. Oh mais Nico. Ça je sentais ça. Je fasse un coup de Karcher sur les sièges. Genre. Si tu veux, il y a le. Bon, il faut. Tout. Je déclare le régulateur allumé, tu vois. Du coup, dès que je remonte, flop. Derrière aussi, dans la caisse à outils. Ça merde de cochon partout, là. Sur. C'est dans la bétaillée. Sur la soudure aussi, sur le poste à souder. Dans la cuve à gasoil. Je crois que c'est trop bonne idée. Oh, voilà. On peut bien tenter, on verra bien. Le poste à souder. C'est vrai que c'est risqué, ouais. Mais si on veut vendre la ferme, faut que tout soit propre, alors. On va essayer de ça, on le donne, on leur vend pas, machin bleu. Oui, on leur donne. Machin bleu, on le donne. On donne tout. Non, on donne pas la ferme. on donne pas le partenaire. Hein. Ah bah non, le partenaire. Oh bah non, lui, pas le partenaire. Ça, on le garde. On se barre avec. Ça, on le garde. Ni la bétaillère. Sinon, on pourra porter le partenaire. Bon, mais ça, c'est fait. Du coup, on a tout vendu. On a plus rien. Si, il nous reste encore des animaux, mais il faut juste que. Notre partenaire. Ah, il nous reste encore 190 cochons quand même. Et 90 veaux. Des vaches, on en a 110. C'est nous, on fait un souper. Hein. Ah, les vaches, elles ont presque plus rien. En fait, il n'y a que le mix feeder qui tourne. D'ailleurs, il fonctionne le mix feeder. Maintenant, il est plus cassé. Comme il faut. Ouais, il est plus cassé, je l'ai réparé. Ouais, bah... Comment on fait apparaître la tablette déjà? Là, voilà. Ils veulent me casser. Non. On peut faire apparaître le réparateur. Si tu veux. C'est qu'à 12h30. Réparateur. Il a changé de camionnette. Il est 14h, attendez, je vais essayer d'accélérer le temps pour voir. Réparation. Je crois que ça marche pas quand. Oula. Il a emmené le partenaire pour réparer. C'est pour la réparation. Attendez, enlevez-vous, je vais essayer d'accélérer le temps. À midi. Ouais, ou 18h. Ah merde, mais du coup, il va pas partir parce que j'ai trop accéléré. Attends, je vais mettre à midi 30. Ah, il faut mettre les feux. Aussi, le matin. Si je mets 7h, juste avant 7h, voilà. Et là, je fais en fois comme ça. Enlevez-vous les gars, juste pour voir s'il part. Parce qu'on l'a réparé, on a réussi à le réparer. Enfin, de toute façon, je crois que je l'avais remontré dans une vidéo quand il repartait. Ouais. Mais merci. Voilà, là, il est 35, pourquoi il repart pas? C'est ça que je comprends pas. Mais il est que 8h11. Attends, bouge toi. Ouais, il est 8h11. Ah, c'est pour ça. Je... C'est que ça bug. Mais non, t'as fait trop. 9h20. Mais à 12h30 alors du coup.
Ah ouais, mais tu sais, c'est que ça bug sur serveur quand on accède. Midi 6. Midi 6. Mais non, moi je joue à 11h50. Ah ouais, moi j'ai midi 10. Vas-y, pas grave, mets le ton à fond. Ah, vas-y, avance, ça va. C'est compliqué tout ça. Mais c'est que ça bug sur serveur, c'est chiant. En même temps, pendant x12000, le truc il suit plus. Bah, c'est normal. Ah, attention. Ah, voilà. Ah, ça y est, il est en route. Ah, ouais, klaxon. Ouais. Moi j'aime trop, en vrai c'est trop bien fait. Et ouais, un truc que sur FS17 ils avaient dit là, ils ont la licence Lely. Donc je sais pas s'il y aura des robots de traite ou des. Mais on l'a déjà vu. Des... Mais oui, on a déjà vu. Il y aura un robot de traite, mais on pourra, il y aura rien de. Ouais, ouais, on pourra rien faire de spécial. Pas... Oui, mais tu sais qu'ils mettent un robot aussi pour nourrir. Ouais, moi je suis pas pour. Ouais, t'es pas. On verra. Non, bah, tu peux faire, à la, faire à la main à la fourche. Bah. Là j'aime trop. Ah, vrai, Baptiste. Tu sais, ils ont mis les couches, foin, paille et ensilage. Et après, là, il revient là où il y a le petit moteur, la frise de force. Et là, il va mixer, là. 400 chevaux. Attention, les 400 chevaux sont en route. Et là, regarde, il va être en train de mixer. Hop, et là, voilà. Faut réparer. Là, il est mixé. Et là, c'est ah ouais, c'est bien fait. Moi, j'aime trop. C'est trop bien fait. Franchement, c'est le moteur qui a fait ça. GG. Parce qu'en vrai, ça a dû mettre du temps à scripter tout ça, la tablette, tout ça. Ah bah, il a dû en chier, oui. Alors, ça va, c'est la programmation, ça. Ah bah oui, on va te dire c'est le premier. Ah bah voilà, moi je pourrais faire un robot. Ouais. Oh, par contre, il est pas très rapide. Hein. Ah, pas du tout. Ah bah on a le temps de boire un café dans la camionnette. Venez tous si dans la camionnette. Caron est invité. Ah bah oui. Ça fait plaisir. Je vous invite. Ah, c'est si gentil. Ah ouais, en plus il y a 4 places dedans. Mais oui. Ah mais oui, c'est vrai. On fait monter à 4. Je fais monter derrière. Ah bonjour, c'est qui attend? Avec ouais, la t'es cote... tenu de soir et tout. Ah bah toi t'as une cote John Deere. Ah bon? Ouais. Mais je sais plus c'est qui, je crois, je me demande si c'est pas Landry qui a émis le script. Je sais, je il me semble que c'était... Non, c'est Mathéo je crois. Non elle donne à manger, ça y est. Paul Farmer, il avait fait le truc. Je sais plus. Non, je pense pas. Ah, il nourrit. C'était lui qui avait commencé à le faire, le partenaire, mais... Il y a ma ah, oui, qui il avait fait pour les... je sais plus... Pour les 10K. Ouais, les 10 000 abonnés, ouais. Ah non, qui c'est qui s'est mis devant? Ah, c'est mon parti. Il y a ma vue qui est buggée, du coup j'arrive pas à tourner la tête. Je suis bugué dans le partenaire. Reste là comme ça, je vois. Non, ça, je vois plus là. Non, de l'autre donc, sens. Du coup, et... Comme ça, tu vois. Là, les sous, j'ai l'impression qu'ils ont pas baissé voilà. Beaucoup ici. Ah non, je vais traîner la porte comme ça tout petit peu. Le petit avance John, un petit peu à gauche. C'est combien c'est ici? C'est le 50-80R. Et la turcule Attends, juste mettre encore, ça. Encore. Ouais, voilà, c'est bien, merci, nickel, bouchou. Voilà, très bien. Ah bah c'est fini. Et du coup, bah, pour la prochaine map, pour la prochaine série en multijoueur, bah, dites-nous un petit peu des noms de maps si vous avez des idées, les amis, des maps que vous aimez. Bah, des maps pas trop vues. Ouais, trop voilà, pas trop vues et des maps bien si vous avez eu l'occasion de tester des maps peu connues, on va dire, et qui sont bien, bah, n'hésitez pas à nous les faire partager dans l'espace commentaire et puis on y regardera avec la team. Et puis pourquoi pas faire une petite série de 5 épisodes avant que Farming 17 sort. Petite. Journal. Ah, c'est vrai. Journal ou alors les collines de Westbridge. Aussi, ça peut se faire. Non, mais dites-nous un petit peu dans l'espace commentaire, comme ça on fera une petite série pour patienter avant FS17. C'est vrai que je commence un petit peu à être impatient, comme on avait été pour le 15, mais je suis quand même un peu moins impatient que quand j'avais fait FS13. C'est vrai que sur le 15, on a eu quand même pas mal de petites choses. Ah ben voilà. Ah voilà, on a commencé le donc voilà, aussi à la fin de la semaine c'est la rentrée, donc on va tous vous souhaiter une bonne rentrée là, pour ceux qui rentrent jeudi ou vendredi ou même plus tard, parce que je sais qu'il y en a qui rentrent même plus tard, ils ont de la chance certains, mais... Et ouais, voilà. Y en a, ils commencent que lundi. Voilà, et on n'a pas tous la même chance. Il y en a qui commencent vendredi à 17h. Voilà. Et il y en a qui commencent jeudi à 9h. Voilà, ah, il y en a qui commencent à jeudi et puis d'autres le vendredi. Donc voilà, donc bah écoutez les amis, j'espère que cette petite saison 2 sur Insom Jobir vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à liker, hein, ça fera toujours plaisir. Mettez donc dans les commentaires des noms de map, des liens de map hein, qui vous intéresseraient de voir en vidéo. Et puis bah d'ici là, moi je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Et puis bah on se retrouve à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde. Salut. Salut. À fond. Ah. Oh, par contre, la risque de repasser. Désolé, mais juste. Elle soulève le machin. Regarde, ça glisse à cause de ça. Il y aura les petits trous. Vas-y, Télis, on accélère. Mais Giro, Télis. C'est bon. Il n'y a pas beaucoup de trafic là où je suis. C'est... Ah. Oh non, il est ouvert. Ah non, il est pas sorti. Non, je reste. Oh non.
Pas que tu sortes, hein, moi. Ah non, non, faut emmener le bétail à la nettoie. Faut changer le bétail. Non, ça, ça tourne légèrement. Ah, c'est ça. Et Nico, faut que tu tournes. Attends, va tourner fort, va tourner fort pour attendre. On tourne à gauche, hein. À gauche, ah oui, d'accord. Ah oui, fort, hein. Ah oui, oh, ça c'est beau, ça. Ce qui est bien, en fait, ce qui est l'avantage, c'est que si tu veux comme ça, la remorque elle tourne, tu vois, la bataille elle tourne. Elle tourne beaucoup mieux. Mais viens, t'es viens dans ma bétaillère. Non, tu restes dans ma bétaillère. Nico, oui. Faut que tu recules ici. T'es où ça ici? Ici là. Waouh, 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 on va se calmer, hein. Je sais pas que je suis un excellent pilotage, mais. Ah ouais, quand même. Ah, faire d'amitié. Il va avoir besoin de toi, Tennis. Ah, non, 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 non. Oui. Oh, mais non, le partenaire, il est pas trop. Il est sorti. Attends, tu rentreras après.